Thank you.
Bien-aimé en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Est-ce que nous pas sentis-nous en joie? Est-ce que nous retrouvons-nous dans la maison du Seigneur? Amen. Et même Jean-David dit, je me sens dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et au cours de la semaine, plus particulièrement, vendredi, nous avons gagné des frères et des sœurs qui étaient confessés froyaux dans les eaux du baptême. Et par contre, ici, tout là, on t'a même présenté à l'église le frère Toussaint. Le frère Toussaint, s'il est dans l'assemblée, nous demandons pour l'avancer. La sœur Ruth, la sœur Chrismène. La sœur Chrismène et la sœur Gesta. Attendez-vous si on a pour avancer, s'il vous plaît. De même, il y a des frères et des sœurs qui ont manifesté le désir pour que vous affiliez à l'église évangélique Baptiste Séloyer. Non, Rélé Silayo qui était communiquer Noyo à la secrétaire et qui sortit dans l'église et qui baptisait déjà et qui là maintenant qui voulait associer ensemble avec nous. Nous t'aimons, si vous là, que vous êtes capable d'avancer, s'il vous plaît. On qui était by secrétaire à Noyo et qui voulait affilier en tant que personne qui déjà confessé froyo dans les eaux du baptême. Monde qui baptisait déjà et qui était déjà inscrit auprès du secrétariat, il est capable d'avancer de telle sorte que nous sommes capables d'avoir la main d'affiliation. C'est là qui baptisait déjà, s'il vous plaît. Et qui est revenant d'une église évangélique. Et il a demandé, ce critère-là, il est capable de remettre certificat à bien-aimés frères et sœurs. Et puis après, il a demandé, diacre trop loin, à partir de ce moment, au nom de l'église, m'a fait descendre pour bailler la main d'affiliation après que la secrétaire de l'église finir remettre au certificat. Et l'église va chanter avec nous 263. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur champilleux et leur prière, comme un encens, montent aux cieux. Où son nom est constamment invoqué, imploré et exalté. Et ça que nous certains, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous a fait la promesse. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis
au milieu d'eux pour les bénir et pour les sanctifier. Et nous chantons les paroles de ce cantique. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Oh, je vous aime tous. Je veux vous sauver tous. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il permet que nous capables ici à matin. Et nous voulons premièrement saluer nos visiteurs, particulièrement nos frères et nos sœurs de l'église Baptiste du Rédempteur, qui n'ont jamais raté un moment ensemble avec nous. Ici dans Siloye, une occasion spéciale. Merci pour présence nous au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Nous remercions pour Allah, un qui fait chanter pour le monde deux beaux morceaux. Monsieur, je suis content. Amen. Je suis content. That's right. Je n'ai pas travaillé en vain. Good. Et nous remercions également et chorale l'église là, maestro, musicien, qui font bel travail et qui chantent de beaux chants à la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous sommes demandés visiteurs. Combien de monde qui ici a, c'est pour la première fois que vous participez avec nous à un service d'adoration. Si vous êtes là, l'assemblée, à nous amener. Content qu'on met autour de vous. If you are coming for the first time, monde qui vient pour la première fois, merci. Mes soeurs, merci, merci pour présence. Non, présence pour son bénédiction pour nous matin. Nous disons bon Dieu merci parce que nous sommes capables de faire le devoir de participer à cette grande célébration, cette journée de reconnaissance à l'Éternel. Et d'attendre le Seigneur en retour pour le jeter sur nous-mêmes de grandes bénédictions. Et on va nous faire une carte, comme ça nous sommes capables de remplir et après nous allons faire connaissance après la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ce matin, avant la prédication, il m'a aimé que nous prêtions attention à ça que m'a dit qu'on y a. Matin, avant la prédication, nous allons passer les corbeilles afin de recueillir les offrandes ordinaires, les offrandes régulières de l'Église. Mandez-nous pour nous faire la différence entre offrande de moisson et offrande régulière. Cela veut dire que les offrandes régulières permettent que nous supportions les charges régulières de l'Église. Donc, on a demandé avant la prédication, officiaux, qu'à passer les plateaux pour recueillir vos offrandes régulières. Cependant, après la prédication, rangée par rangée, nous avons de manière personnelle déposer dans une corbeille ici vos offrandes de moisson. Bon, on va dire encore. Gagnez la collecte régulière avant la prédication. Et après la prédication, des morceaux seront entonnés alors que rangée par rangée, de la première rangée à la dernière rangée, officiers au Calédénon, de telle sorte que nous sommes capables de déposer offrande de moisson. Espérez que tout le monde nous comprenne. Et si vraiment nous comprenne, dis amen. Amen. Merci. Moi, je voulais annoncer non qu'il n'y aura pas de service ce soir. Et demain soir, il n'y aura aussi pas de service demain soir. Ce n'est pas le moment pour nous capables de rester en famille et pour nous faire la prière avec nos enfants. Donc, vous avez vacances à l'église, mais pas vacances, prenez avec le Seigneur. Chez vous, priez avec les enfants. Vous commencez à remercier mon Dieu pour cette semaine particulière. Cependant, mercredi soir et vendredi soir, nous avons invité toute l'église, tout le monde qui a participé avec nous pendant la semaine de réveil spirituel. Ça. Nous avons profité de la semaine ça, spirituellement. Je demande pour nous retourner mercredi et retourner vendredi. Bindi, mon Dieu, merci. Est-ce que nous d'accord? Amen. Combien de monde qui d'accord samedi là? Amen.
vendredi soir, nous avons gagné de préférence en veille de nuit, de 9h30 à minuit. Mercredi soir, 7h30. Cependant, vendredi soir, 9h30 à minuit, n'a retourné dans le temple là pour nous dire mon Dieu merci. Et l'église dit Amen. Ok. Jeudi, 9h30 dans la matinée, nous allons gagner une séance de jeûne et de prière. Samedi, répétition pour la chorale. Et dimanche, Dieu voulant, nous allons gagner la reprise des classes de l'école du dimanche à 10h et à 11h, notre service d'adoration et de louanges à Dieu. Et comme annonce spéciale que nous gagnons, premièrement, c'est que nous voulons remercier les enfants également. Matin est très belle, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que Timon n'est pas très belle? Amen. Nous avons besoin pour nous encourager et surtout, vous voyez, l'autre Timon par nous, pour être capable de grandir la foule, pour continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Toujours comme annonce spéciale, t'arrêtez poser nos questions. Est-ce que nous pas édifier dans semaine ça? Est-ce que nous pas édifier dans semaine ça? Parce que le Seigneur permet que nous ayons une bonne semaine avec le serviteur de Dieu, le pasteur James Lagou. Mais nous voyons ça qui est important que nous voulons attirer l'attention le matin. Pasteur, lui laisser bon Dieu inspirer ça pour le dire. Mais maintenant, nous avons besoin nous-mêmes pour nous quitter bon Dieu, opérer changement dans la vie. Amen. Est-ce que nous tendez? Nous voyons comment amen changement difficile pour le dire. Tandis que nous avons prêché, nous avons dit amen. Amen. Mais l'ennemi venant amen pour changement dans la vie, non? Ce n'est pas facile. Mais maintenant, je vais demander pasteur Lagou et tout pasteur qui est ici à matin pour prier pour que bon Dieu opère un changement dans la vie. Réveil pas seulement pour une semaine. Réveil c'est pour jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Amen. Et le thème qui t'a développé c'est selon fidélité. Oh. Bon Dieu va faire qui ça? Selon fidélité, bon Dieu va récompenser. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets, du verset 6 au verset 11. Et maintenant, et pour nous aller plus vite, nous avons des officiers capables de passer une dernière fois pour remettre en bloc. Si là, il n'y a pas d'enveloppe, ou bien ça a perdu l'enveloppe, ou bien ça a oublié l'enveloppe. Donc, s'il vous plaît, passez les dernières enveloppes. Et surtout pour les gens qui sont là et qui sont matin, ils ont rencontré avec nous, nous avons une enveloppe toujours, et de telle sorte que au moment où nous allons présenter l'offrande, nous sommes capables de même déposer l'offrande par nous. Nous disons Dieu merci pour le pasteur James Lagou, ainsi que les membres de sa famille. Ils ont fait de grands sacrifices pour le service du Seigneur, parce que la famille, ils ont sorti Connecticut chaque soir pour venir ici dans ces loyers. Donc, à comprendre le déplacement de Connecticut étant et pour venir chaque soir à Long Island. Et l'Église dit Amen. Parce que ça, c'est un grand sacrifice et nous reconnaître ça. Et comme on était dit à Pasteur Lagou, Jésus-Christ est en ciel pour nous. Pas de route qui prolonge pour servir à mon Dieu. Et après le service de ce matin, nous allons avoir la joie de fraterniser. Nous allons avoir la joie de manger ensemble. Donc, après la bénédiction, les responsables, et nous allons passer au microphone pour orienter les différents groupes de siloyers et les invités qui sont ensemble avec nous pour permettre que chaque monde connaît dans qui zone que vous allez et pour participer à cette journée de fraternité chrétienne. Donc, maintenant, mes frères et mes sœurs, m'avez toujours dit non, priez les uns pour les autres. Songez à prier continuellement pour Siloyer. Et surtout, maintenant, demandez-nous pour nous prier pour Silayo qui est en vacances et qui t'adore ensemble avec nous, mais malheureusement, qui est en vacances, priez pour que bon Dieu capable de couvrir au côté de
Et nous t'avons demandé au cours de cette semaine, est-ce que pas gagné un monde, deux mondes, trois mondes qui par hasard ou bien par grâce t'étant des messages, la parole de Dieu qui t'est frappé cœur yo, pas prédit ça encore. Est-ce que pas gagné au moins un monde qui au cours de cette semaine t'étendait la voix du Seigneur parler à cœur yo au-dessus de la voix de son serviteur. A yon monde qui pourquoi accepter Jésus-Christ dans la ville comme sauveur personnel. Est-ce que pas grand monde qui sentit que le pourquoi gagne relation avec mon Dieu? Est-ce que pas grand monde